Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire. C'est une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous sommes en pleine campagne de lutte contre les violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le soin de vous présenter. Alors moi, c'est Jean-Claude Mwaka. Donc je suis humoriste comédien. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Enchanté, déjà d'une. Nous sommes à la clôture de la cérémonie des Yabon Awards, où vous avez fait un show assez remarquable. Toutes nos félicitations. On aimerait connaître déjà, dans un premier temps, quel est votre sentiment sur les discriminations et le racisme dans leur généralité ? Alors, moi, je n'ai pas eu... Ou bien, je suis quelqu'un qui... comment dirais-je ? La discrimination, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu directement. J'ai sûrement dû la vivre, mais je n'y prêtais pas attention. Mais c'est quelque chose qui me fait beaucoup de mal. Et c'est pour ça que quand je monte sur scène, à travers l'humour, essayer de décrier tous ces problèmes qu'on a sur le racisme ou la discrimination et les vaincre. À travers l'humour, on a des personnes qui le font à travers des livres ou autres. Moi, c'est à travers l'humour. Et c'est quelque chose dont je veux vraiment, vraiment, vraiment me débarrasser, même si c'est à mon petit niveau, mais aider les gens à penser autrement. Dans le monde dans lequel vous évoluez, dans le milieu artistique, notamment au sein des humoristes et des comiques, est-ce qu'il existe des formes de discrimination, que ce soit par la couleur ou par la jeunesse, pour les anciens, ou de types de discrimination ? Moi, j'essaie d'évoluer en tant que comédien, essayer d'évoluer dans le sens large du monde artistique, à travers l'image et la vidéo. Et c'est vrai que je ressens une discrimination vis-à-vis de ma couleur, sur le fait des castings, où tu vas avoir des appellations de type européen ou autre, et tu verras quasiment jamais des rôles pour les types africains ou autres. Tu vas en avoir quelques-uns, et toujours dans des rôles, comment dirais-je, catalogués, quoi. Donc oui, je ressens la discrimination là-dedans. Après, dans le monde, dans l'univers du stand-up et autres, ça doit exister aussi. Mais on le ressent vraiment quand on veut évoluer dans le cinéma. Et que pensez-vous de l'évolution du vivre ensemble sur ces dernières années, notamment face aux événements tragiques qui ont secoué la France récemment? Je fais référence aux attentats de Charlie Hebdo et ce qui a suivi. C'est extrêmement triste, extrêmement dur, surtout qu'avec tout ce qui s'est passé, enfin l'histoire de la France, l'histoire de toutes ces communautés-là, de voir qu'on a fait tout ça pour en arriver à ce genre de drame. C'est extrêmement difficile, mais je suis quelqu'un qui est positif. On m'a toujours dit quand le mauvais temps est là, le beau temps arrive. Donc à travers tous ces drames, je sais que de bonnes choses vont arriver et qu'on saura tirer des leçons de toutes ces tragédies. C'est vrai qu'il y a très peu de condamnations en général sur les auteurs de propos discriminatoires et racistes. Quels sont, vous, les moyens qu'il faudrait mettre en œuvre, selon vous, pour que de telles choses ne puissent plus nuire à des citoyens français à l'avenir et que les mentalités elles puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant vers la différence? Alors, je suppose que vous voulez parler, par exemple, des dessins de Charlie Hebdo ou autres. Les exemples sont assez nombreux. Ouais. Moi, je parle vraiment dans mon domaine de l'humour. Pour moi, on peut rigoler de tout, mais pas avec n'importe qui. Et il y a toujours un respect à avoir de l'autrui. Quand vous êtes dans un pays qui prône la liberté d'expression, elle doit être valable pour tout le monde, pas pour certaines catégories de personnes. Et c'est vrai que ça me fait mal quand je vois mon pays, parce que je suis français, même si j'ai la couleur qui n'est pas adéquate, je suis français. Et ça me fait mal de voir que, voilà, je trouve que on privilégie certaines personnes à s'exprimer et pas d'autres. Vous avez l'impression qu'il y a un manque d'égalité dans l'application de la loi au niveau des citoyens? Oui, ça... C'est une réalité. Hein. Après, en parler, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on va se faire censurer, mais il faut dire les choses. C'est une réalité. Nous, le slogan de notre association, la violence recule là où la solidarité avance. Que pensez-vous de ce slogan? La violence recule là où... Amen. Moi, je dis juste amen. Quelques lettres, comme ça me fait plaisir. Je vais vous voler ça. Très bien, j'aime beaucoup. C'est une très belle citation. Merci, je sais que vous êtes très sollicité. Je ne vais pas vous retarder trop longtemps. Est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons de nouveau compter sur votre soutien? Ah oui, moi quand il y a la solidarité, on peut compter sur Jean-Claude Mwaka. Je vous félicite encore, je vous remercie pour ce témoignage et j'espère à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Merci.